Hey, c'est Ubix, comment ça va? Moi, ça va plutôt pas mal et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warzone car je pense avoir trouvé la relève de la FFAR ou du moins la remplaçante. Mais si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à la partager à un maximum de personnes. Donc, on va se rendre tout de suite dans les armes sans plus attendre et vous allez voir qu'il s'agit de la XM4, le Grand Pacifique. Donc c'est vrai qu'il y en a, ils vont me dire oui, mais c'est un pay to win. C'est vrai qu'il va falloir débourser une dizaine d'euros pour se l'octroyer. Personnellement, j'avais des points codes qui traînaient car j'ai pas acheté ces derniers passes de combat. Donc j'ai du quoi, vu ses caractéristiques, je vais l'essayer. Et franchement, je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris par l'arme au corps à corps. J'ai l'impression qu'elle limite mieux que la FFAR. Elle a une rapidité, elle a une très très bonne rapidité de vitesse de balle. De plus, balle traçante bleue, bon, c'est qu'un détail, mais franchement, je la trouve. Moi, je la trouve top. Franchement, après quelques games, je la trouve vraiment top. Donc, je vous fais voir ce qu'il y a dessus. Donc, viseur réflexe, parce que déjà, c'est bien qu'il y ait ça, parce que je trouve que le viseur sur cette arme-là, il est vraiment dégueu. Crosswear, revêtement de serpent pour viser plus rapidement. 45 cartouches et la poignée d'infiltré pour se déplacer plus rapidement, car on va l'utiliser, bien sûr. Pour le corps à corps comme la FFAR. Donc du coup c'est un peu la méta qu'on avait pendant un moment. C'était FFAR CR45. Donc comme ils ont patch aussi la CR45. Du coup dans une prochaine vidéo je vous ferai voir ce que moi je vais utiliser comme comme surarmement avec cette magnifique XM4. Donc voilà. Si vous arrivez à l'acquérir et que vous avez les moyens de l'acheter, achetez-la. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.